Je suis très heureuse de revenir en France. Je suis une religieuse carmélite qui a fondé un monastère oriental à 90 km de Damas, en Syrie. Ce monastère était en ruine. Nous avons voulu le restaurer comme un retour aux sources. Et actuellement, il réside une communauté d'une vingtaine de personnes de 8 nationalités qui n'ont pas voulu quitter la Syrie en solidarité avec les souffrances du peuple syrien. Nous sommes sur une ligne de démarcation. On peut dire que l'État islamique, parfois, est à 1 km de chez nous. Pendant la bataille du Calamon, lorsque les forces gouvernementales ont délogé, avec les factions modérées des rebelles, ont délogé les extrémistes, vraiment, c'est par la prière que nous avons évité d'être envahis, comme d'autres localités chrétiennes, par ces hordes de terroristes. Nous croyons qu'ils ont été, comme aveuglés, parce qu'ils ont passé devant notre monastère presque sans le voir, alors qu'en entrant dans le monastère, ils étaient dans une forteresse inexpugnable. Alors, je reviens en France. Je suis invitée par le Rassemblement pour la Syrie. C'est une poignée de volontaires qui ont, depuis le commencement, considéré que l'État, quel que soit le régime qui est derrière cet État, était une valeur sûre et capable d'être réformée. Et donc qui n'ont pas voulu rentrer dans l'approche du coup d'État, de renversement du gouvernement, parce que cela a donné des fruits désastreux en Libye et en Égypte. Je ne vais pas faire maintenant l'histoire, mais nous allons en parler le vendredi. Depuis ma première apparition en France sur Europe 1, beaucoup de choses se sont passées qui ont confirmé non seulement nos intuitions, mais notre témoignage vécu. Ce que nous vivons en Syrie, nous ne nous mêlons pas de politique, mais bien sûr, les souffrances infligées à un peuple innocent, qui n'a pas de parti pris, qui ne veut que vivre tranquille, avec un minimum de décence et un minimum de sécurité. Depuis le commencement, nous avons vu qu'il y avait une information tendancieuse. Nous avons essayé de réagir et nous avons été stigmatisés. On nous a accusés d'être des sbires du régime, d'être, n'est-ce pas, des choses qui nous sont totalement étrangères. Moi, je parle avec tout le monde. Je ne vois pas pourquoi le fait de dire ce qui se passe réellement peut devenir sujet à caution. Où est la liberté d'expression? Où sont les mœurs républicaines? Donc, j'ai été vraiment étonnée. Et je n'ai pas cherché à me justifier. Cela est allé jusqu'à la diffamation. Cela veut dire que le fait de dire la vérité, même à un niveau très humble, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une religieuse qui parle, c'est tout à fait modeste. C'est une voix parmi des milliers d'autres et de mastodontes de l'information. Mais j'ai constaté qu'un peu de vérité fait plus peur à ces manipulateurs des médias que beaucoup de mensonges. Bref, je ne veux accuser personne, mais aujourd'hui,
tout ce qui se passe chez nous vient confirmer non seulement nos craintes, mais ce que nous voyons dès l'origine. Parce que vous voyez, ces terroristes qui ont été finalement qualifiés de tels par les gouvernements ici, les gouvernements qui ont pris parti pour une faction du peuple syrien et pour l'ingérence en Syrie, soi-disant pour sauvegarder la liberté et la démocratie. Ces terroristes ont existé depuis le début. Ce n'est pas une génération ad nihilo. Ils ne sont pas tombés des nuages. Ils étaient là. Mais ils ont pris différents titres. Donc, ils ont été soumis à des opérations chirurgicales, à des métamorphoses, pour endormir l'opinion publique, voyez, et pour faire que les États qui s'ingèrent dans le destin de nos régions, qui s'ingèrent depuis longtemps d'ailleurs, c'est pas depuis maintenant, à un moment donné, ils se sont ingérés pour imposer ces régimes, et puis maintenant, ils s'ingèrent pour enlever les régimes. Toujours est-il que pour ces refontes, du système, de système d'autorité chez nous, de système de gouvernement, cela ne se passe pas uniquement d'une manière virtuelle comme vous le voyez sur vos télévisions. Il y a des pertes, il y a des dommages collatéraux, comme on dit en anglais. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui perdent leur logis, qui sont chassés de chez eux, qui sont blessés, qui sont tués, assassinés. Dès 2011, j'ai vu quelqu'un qui était coupé en morceaux. Ce n'est pas maintenant l'habitude de couper les têtes. Mais on ne voulait pas nous écouter. Vous regardez dans vos médias, dans vos télévisions, vous lisez dans vos journaux, c'est toujours une partie de la vérité. C'est comme quand on regarde une face de la lune, une face de la lune. On ne voit pas le reste. Et ça, c'est une très grosse atteinte aux droits de l'homme et aux droits de la presse, aux devoirs de la presse. Bref, on va parler de tout cela, d'une situation au Moyen-Orient qui est explosive, une situation qui est absolument inexcusable et qu'on ne peut pas, qui est inacceptable. C'est inacceptable. Imaginez-vous que ça se passe chez vous, qu'un jour, pour un oui, pour un non, on vous disait que votre gouvernement n'est pas le bon et que votre président, c'est un... Moi, je ne suis pas syrienne, donc je ne parle pas de mon président. Mais supposons que je suis maintenant française et qu'on me dise, voilà, Monsieur Hollande est tel, et si, et ça, il n'a pas le droit d'exister, il faut à tout prix le faire tomber. Et puis qu'on vous envoie des mercenaires imbus de cette idée, et puis ils la tournent d'un point de vue religieux, et puis ils disent, voilà, M. Hollande est un athée, il ne mérite pas de vivre. Et pour arriver à l'Élysée, ils détruisent tout Paris, et ils détruisent toute la province. Ils n'arrivent pas à Paris, donc ils détruisent la province. Ils n'arrivent pas à la province, ils détruisent ce qui est un peu plus loin. Ils finissent par détruire toute la France. Ils s'en prennent à vos centrales d'électricité, à vos pompes, à vos réserves de gaz, à vos récoltes. Et puis après, ils s'en prennent aussi à votre patrimoine archéologique, à votre patrimoine culturel. Vos musées sont saccagés. Bref, que diriez-vous? Est-ce qu'il y a un seul alibi pour motiver une telle intervention? Essayez de réfléchir. Essayer de dépasser ce flot, cette avalanche de moi j'appelle ça de prêt-à-porter intellectuel. Ce sont des tiroirs de concepts qu'on vous plante dans le cerveau et puis que vous n'arrivez pas à réfléchir autrement. Et ça vous oblige à marcher à la queue leu-leu sur un seul sentier. Et pour le dire, si vous voulez, d'une manière plus directe, ça vous conditionne. C'est un lavage de cerveau.
Alors, quand nous parlons de cette manière, la seule réponse, c'est pas le dialogue. La seule réponse, c'est la diffamation. Voyez? Cela veut dire qu'on gêne. Et cela veut dire qu'il n'y a pas de réponse à notre objection, à nos objections. Cela veut dire que la situation est très grave. Non seulement on est dans l'intolérance, non seulement on est dans le parti pris, on est dans le totalitarisme, messieurs et dames. Le totalitarisme. Et ce totalitarisme ronge les valeurs de l'Occident. Moi, je préfère un dictateur qui se dit comme tel. Je le préfère à un système de dictature caché sous de grands titres de liberté et de démocratie et de fraternité et de droits de l'homme, etc. Je ne dis pas cela avec haine. Je ne le dis pas d'une manière politique. Je n'ai pas d'intérêt politique. Je n'ai pas de parti qui va gagner ou ne pas gagner aux élections. Moi, pour moi, le parti, c'est l'humanité, c'est l'homme. C'est ces enfants qui ont été blessés par les obus aveugles. Je dirais de part et d'autre, mais beaucoup plus de la part des terroristes. Parce que les terroristes, il n'y a personne pour les stigmatiser. À part quand ils brûlent un pilote vif ou quand ils coupent les têtes à 21 coptes sur le rivage libyen. Oui, on en fait, n'est-ce pas, un grand événement médiatique. Mais au jour le jour, personne n'a couvert le génocide au ralenti de tout un peuple qui avait l'unique défaut de rester dans les zones sécurisées par son gouvernement. Et le gouvernement est légitime, il est accepté comme tel aux Nations Unies. Donc c'est légitime. Nous sommes dans une schizophrénie. Et cette schizophrénie fait du tort aux innocents, parce qu'il n'y a plus d'état de droit. Et on lâche des forces obscures, ténébreuses, dans ce pays pour faire la sale besogne. Donc je vais vous parler des enfants qui sont quadriplégiques, des filles qui ont perdu leurs deux jambes, qui demandent à leur, des filles de 7 ans, qui demandent à leur maman, mais où sont allés mes pieds? Je vais parler des enfants qui sont devenus aveugles, qui ont des séquelles à vie. Je vais parler des jeunes, je vais parler des mères éplorées. Je vais parler de la souffrance et du martyre d'un peuple. Et bien sûr, je vais parler des chrétiens, parce que les chrétiens, c'est une partie constituante du tissu syrien. Et on va réfléchir ensemble. J'aimerais bien qu'il y ait des médias mainstream à me prendre tel que je dis et tel que je suis, sans me remanier et me remodeler et sans presser de déformer mes dires. C'est un défi à l'honnêteté et c'est un défi à la véracité. Je fais ce que ma conscience me demande de faire et tous mes pronostics se sont avérés exacts. Vous pouvez lire ce que j'ai vraiment dit, parce qu'on m'a fait dire des choses. L'heure est grave. Des milliers de morts, des milliers d'handicapés, 9 millions uniquement en Syrie de déplacés. La kermesse continue. Il y a encore des dirigeants qui veulent continuer à payer de l'argent pour faire tomber le gouvernement syrien. Ils ne se rendent pas compte que finalement ce jeu va se retourner contre eux, parce que toute la région est en train de s'embraser. Il y a des fronts très dangereux où de part et d'autre on a l'arme atomique, la bombe H et encore plus la bombe à neutrons. On est en train de jouer avec le feu et on se demande pourquoi. Tout cet argent qu'on est en train de payer aurait pu profiter à ces populations.
on aurait pu faire un monde meilleur. L'Europe avait commencé par être très généreuse pour l'autre rive de la Méditerranée. Il y avait des projets euro-méditerranéens pour la culture, pour l'éducation, pour le partage des idées, pour la sauvegarde du patrimoine. Et subitement, l'Europe est devenue une menace. Vous savez, on peut être responsable d'un crime en le perpétrant. On peut être responsable d'un crime quand on n'empêche pas qu'il soit perpétré. Les chrétiens ne cherchent pas à être protégés. Ils n'ont pas besoin d'être protégés. Les chrétiens, comme toutes les personnes vivant dans notre région, cherchent à ne pas être agressés. Et ça, c'est primordial. Je vais vraiment poser une question élémentaire. Comment c'est possible que des centaines de milliers de terroristes transitent par plusieurs aéroports depuis leur pays d'origine? Parfois c'est situé dans les ex-républiques soviétiques. Parfois c'est au-delà. Parfois c'est tout proche, de l'autre côté de la Méditerranée. Comment c'est possible qu'ils transitent par nos aéroports sans être dépistés? Comment c'est possible qu'ils arrivent en Turquie ou en Jordanie ou au Liban sans être dépistés? Et comment c'est possible qu'ils traversent les frontières, qu'ils franchissent les frontières sans être dépistés? Et comment c'est possible qu'ils puissent se promener à l'intérieur de nos pays et à l'extérieur, c'est-à-dire ils chevauchent entre les deux frontières? Et ils vivent dans des hôtels de luxe, sans être dépistés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a complicité, chers amis. Alors comment, d'un côté, on se targue d'être les grandes démocraties qui viennent en aide aux peuples victimes de dirigeants totalitaires et dictateurs? Et puis on utilise des terroristes, des gens, des mercenaires qu'on qualifie nous-mêmes de terroristes. Et puis maintenant, il y a la guerre contre les terroristes, avec l'argent des contribuables. Ça coûte des millions et des milliards tous les jours. Alors quoi? J'allume un feu et puis je dis que je suis le champion qui va l'éteindre? C'est très grave. Très grande confusion. Nous essaierons d'aborder ces problèmes sans agression, sans agressivité. C'est avec un grand amour. Tout ce que je cherche, c'est assurer une couverture internationale pour sauvegarder le droit de la personne humaine dans nos régions à ne pas être agressée. Merci. C'est pas depuis maintenant. À un moment donné, ils se sont ingérés pour imposer ces régimes, et puis maintenant, ils s'ingèrent pour enlever les régimes. Toujours est-il que pour ces refontes du système, d'autorité chez nous, de système de gouvernement, cela ne se passe pas uniquement d'une manière virtuelle, comme vous le voyez sur vos télévisions. Il y a des pertes, il y a des dommages collatéraux, comme on dit en anglais. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui perdent leur logis, qui sont chassés de chez eux, qui sont blessés, qui sont tués, assassinés. Dès 2011, j'ai vu quelqu'un qui était coupé en morceaux. Ce n'est pas maintenant l'habitude de couper les têtes. Mais on ne voulait pas nous écouter. Vous regardez dans vos médias, dans vos télévisions, vous lisez dans vos journaux, c'est toujours une partie de la vérité. C'est comme
quand on regarde une face de la Lune, une face de la Lune, on ne voit pas le reste. Et ça, c'est une très grosse atteinte aux droits de l'homme et aux droits de la presse, aux devoirs de la presse. Bref, on va parler de tout cela, d'une situation au Moyen-Orient qui est explosive, une situation qui est absolument inexcusable et qu'on ne peut pas, qui est inacceptable. C'est inacceptable. Imaginez-vous que ça se passe chez vous, qu'un jour, pour un oui, pour un non, on vous disait que votre gouvernement n'est pas le bon et que votre président, c'est un... Moi, je ne suis pas syrienne, donc je ne parle pas de mon président. Mais supposons que je suis maintenant française et qu'on me dise, voilà, M. Hollande est tel, et si, et ça. Il n'a pas le droit d'exister, il faut à tout prix le faire tomber. Et puis qu'on vous envoie des mercenaires imbu de cette idée, et puis ils la tournent d'un point de vue religieux, et puis ils disent, voilà, M. Hollande est un athée, il ne mérite pas de vivre. Et pour arriver à l'Élysée, ils détruisent tout Paris, et ils détruisent toute la province. Ils n'arrivent pas à Paris, donc ils détruisent la province. Ils n'arrivent pas à la province, ils détruisent ce qui est un peu plus loin. Ils finissent par détruire toute la France. Ils s'en prennent à vos centrales d'électricité, à vos pompes, à vos réserves de gaz, à vos récoltes. Et puis après, ils s'en prennent aussi à votre patrimoine archéologique, à votre patrimoine culturel. Vos musées sont saccagés. Bref, quand de rester dans les zones sécurisées par son gouvernement. Et le gouvernement est légitime, il est accepté comme tel aux Nations Unies. Donc c'est légitime. Nous sommes dans une schizophrénie. Et cette schizophrénie fait du tort aux innocents. Parce qu'il n'y a plus d'état de droit. Et on lâche des forces obscures, ténébreuses, dans ce pays pour faire la sale besogne. Donc je vais vous parler des enfants qui sont quadriplégiques. Des filles qui ont perdu leurs deux jambes, qui demandent à leur défi de 7 ans, qui demandent à leur maman, mais où sont allés mes pieds? Je vais parler des enfants qui sont devenus aveugles, qui ont des séquelles à vie. Je vais parler des jeunes, je vais parler des mères éplorées. Je vais parler de la souffrance et du martyre d'un peuple. Et bien sûr, je vais parler des chrétiens, parce que les chrétiens, c'est une partie constituante du tissu syrien. Et on va réfléchir ensemble. J'aimerais bien qu'il y ait des médias mainstream à me prendre tel que je dis et tel que je suis, sans me remanier et me remodeler et s'empresser de déformer mes dires. C'est un défi à l'honnêteté et c'est un défi à la véracité. Je fais ce que ma conscience me demande de faire et tous mes pronostics se sont avérés exacts. Vous pouvez lire ce que j'ai vraiment dit parce qu'on m'a fait dire des choses. L'heure est grave. Des milliers de morts, des milliers d'handicapés, 9 millions uniquement en Syrie de déplacés, la kermesse continue. Il y a encore des dirigeants qui veulent continuer à payer de l'argent pour faire tomber le gouvernement syrien. Ils ne se rendent pas compte que finalement ce jeu va se retourner contre eux, parce que toute la région est en train de s'embraser. Il y a des fronts très dangereux où de part et d'autre on a l'arme atomique, la bombe H et encore plus la bombe à neutrons. On est en train de jouer avec le feu. Et on se demande pourquoi. Tout cet argent qu'on est en train de payer aurait pu profiter à ces populations. On aurait pu faire un monde meilleur. L'Europe avait commencé par être très généreuse pour l'autre rive de la Méditerranée. Il y avait depuis
ma première apparition en France sur Europe 1, beaucoup de choses se sont passées qui ont confirmé non seulement nos intuitions, mais notre témoignage vécu. Ce que nous vivons en Syrie, nous ne nous mêlons pas de politique, mais bien sûr, les souffrances infligées à un peuple innocent, qui n'a pas de parti pris, qui ne veut que vivre tranquille, avec un minimum de décence et un minimum de sécurité. Depuis le commencement, nous avons vu qu'il y avait une information tendancieuse. Nous avons essayé de réagir et nous avons été stigmatisés. On nous a accusés d'être des sbires du régime, d'être, n'est-ce pas, des choses qui nous sont totalement étrangères. Moi, je parle avec tout le monde. Je ne vois pas pourquoi le fait de dire ce qui se passe réellement peut devenir sujet à caution. Où est la liberté d'expression? Où sont les mœurs républicaines? Donc, j'ai été vraiment étonnée. Et je n'ai pas cherché à me justifier. Cela est allé jusqu'à la diffamation. Cela veut dire que le fait de dire la vérité, même à un niveau très humble, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une religieuse qui parle? C'est tout à fait modeste. C'est une voix parmi des milliers d'autres et de mastodontes de l'information. Mais j'ai constaté qu'un peu de vérité fait plus peur à ces manipulateurs des médias que beaucoup de mensonges. Bref, je ne veux accuser personne, mais aujourd'hui, tout ce qui se passe chez nous vient confirmer non seulement nos craintes, mais ce que nous voyons dès l'origine. Parce que vous voyez, ces terroristes qui ont été finalement qualifiés de tels par les gouvernements ici, les gouvernements qui ont pris parti pour une faction du peuple syrien et pour l'ingérence en Syrie, soi-disant pour sauvegarder la liberté et la démocratie. Ces terroristes ont existé depuis le début. Ce n'est pas une génération ad nihilo. Ils ne sont pas tombés des nuages. Ils étaient là. Mais ils ont pris différents titres. Donc, ils ont été soumis à des opérations chirurgicales, à des métamorphoses, pour endormir l'opinion publique, voyez, et pour faire que les États qui s'ingèrent dans le destin de nos régions, qui s'ingèrent depuis longtemps d'ailleurs, que diriez-vous? Est-ce qu'il y a un seul alibi pour motiver une telle intervention? Essayez de réfléchir, essayez de dépasser ce flot, cette avalanche. Moi j'appelle ça de prêt-à-porter intellectuel. Ce sont des tiroirs de concepts qu'on vous plante dans le cerveau et puis que vous n'arrivez pas à réfléchir autrement. Et ça vous oblige à marcher à la queue leu-leu sur un seul sentier. Et pour le dire, si vous voulez, d'une manière plus directe, ça vous conditionne. C'est un lavage de cerveau. Alors, quand nous parlons de cette manière, la seule réponse, c'est pas le dialogue. La seule réponse, c'est la diffamation. Voyez? Cela veut dire qu'on gêne. Et cela veut dire qu'il n'y a pas de réponse à notre objection, à nos objections. Cela veut dire que la situation est très grave. Non seulement on est dans l'intolérance, non seulement on est dans le parti pris, on est dans le totalitarisme, messieurs et dames. Le totalitarisme. Et ce totalitarisme ronge les valeurs de l'Occident. Moi, je préfère un dictateur qui se dit comme tel. Je le préfère à un système de dictature cachée sous de grands titres de liberté et de démocratie et de fraternité et de droits de l'homme, etc.
Je ne dis pas cela avec haine. Je ne le dis pas d'une manière politique. Je n'ai pas d'intérêt politique. Je n'ai pas de parti qui va gagner ou ne pas gagner aux élections. Moi, pour moi, le parti, c'est l'humanité, c'est l'homme. C'est ces enfants qui ont été blessés par les obus aveugles. Je dirais de part et d'autre, mais beaucoup plus de la part des terroristes. Parce que les terroristes, il n'y a personne pour les stigmatiser. À part quand ils brûlent un pilote vif ou quand ils coupent les têtes à 21 coptes sur le rivage libyen, oui, on en fait, n'est-ce pas, un grand événement médiatique. Mais au jour le jour, personne n'a couvert le génocide au ralenti de tout un peuple qui avait l'unique défaut. Je suis très heureuse de revenir en France. Je suis une religieuse carmélite qui a fondé un monastère oriental à 90 km de Damas, en Syrie. Ce monastère était en ruine. Nous avons voulu le restaurer comme un retour aux sources. Et actuellement, il réside une communauté d'une vingtaine de personnes de 8 nationalités qui n'ont pas voulu quitter la Syrie en solidarité avec les souffrances du peuple syrien. Nous sommes sur une ligne de démarcation. On peut dire que l'État islamique, parfois, est à 1 kilomètre de chez nous. Pendant la bataille du Calamon, lorsque les forces gouvernementales ont délogé, avec les factions modérées des rebelles, ont délogé les extrémistes, vraiment, c'est par la prière que nous avons évité d'être envahis, comme d'autres localités chrétiennes, par ces hordes de terroristes. Nous croyons qu'ils ont été, comme aveuglés, parce qu'ils ont passé devant notre monastère presque sans le voir, alors qu'en entrant dans le monastère, ils étaient dans une forteresse inexpugnable. Alors, je reviens en France. Je suis invitée par le Rassemblement pour la Syrie. C'est une poignée de volontaires qui ont, depuis le commencement, considéré que l'État, quel que soit le régime qui est derrière cet État, était une valeur sûre et capable d'être réformée. Et donc qui n'ont pas voulu rentrer dans l'approche du coup d'État, de renversement du gouvernement, parce que cela a donné des fruits désastreux en Libye et en Égypte. Je ne vais pas faire maintenant l'histoire, mais nous allons en parler le vendredi.